on the way the time cool. I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you. Yeah les potes, c'est Tonio, comment allez-vous? Moi ça va super, donc aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo, donc une vidéo qui envoie de la patate. Donc on se retrouve pour un pack opening encore une fois, donc colis de ravitaillement, tout ça, tout ce qui s'ensuit. Bon les gars, je vous présente pas le bordel, vous, je pense que vous connaissez tous le truc. Juste un petit truc avant, je tiens à remercier donc Activision et plus principalement Toki. Donc il m'a offert ses points, donc il m'a offert pour à peu près 60€. Donc je vous en remercie justement de m'avoir offert justement ces points codes donc qui permet aujourd'hui de vous faire un petit pack opening. Donc c'est pas de l'argent que j'ai dépensé moi-même, voilà, c'est des codes qui ont été offerts par Activision. Les amis, donc tout de suite on va commencer donc l'ouverture de Ravitaillement Rat en espérant encore une fois, cette fois-ci enfin, avoir justement les armes légendaires, les armes de ouf. Voilà, monochrome, franchement c'est pas mal. Camouflage monochrome, il est super super stylé, c'est pas mal. Donc on va continuer de toute façon l'ouverture de pack en espérant les potes, c'est vraiment le truc tu vois, les armes, c'est ça qu'on veut. On ouvre pour avoir du rare, pour avoir même pas du rare, pour avoir carrément du légendaire ou du épique. Je sais pas si les armes sont en légendaire ou en épique, mais voilà c'est le but ultime. Après pourquoi pas avoir des bons camouflages. Bon là par exemple ça pue la merde clairement. Donc on enchaîne les potes. Je vais essayer quand même d'ouvrir les packs assez rapidement pour pas non plus attendre pendant 10 ans, sauf si je vois qu'il y a un beau camouflage. Camouflage tempête, bon ça va. Ok on continue. Allez, on ouvre. Dites-moi ce que vous en pensez de ce genre de vidéo, si vous voulez que je vous en fasse plus régulièrement. Parce que là, c'est vrai que là, ces derniers temps, je vous en ai mis pas mal. Donc, je pense que la prochaine ouverture de pack, elle sera dans assez longtemps. Parce que bon, voilà, je sais que vous aimez bien, justement, ce petit côté un petit peu hasard. Mais à un moment donné, voilà, c'est ma chaîne. Je veux pas que ce soit un pack opening ravitaillement sur Black Ops 3, voilà. Donc on continue, et à la fin bien entendu comme vous le savez, quand vous ouvrez maintenant des colis de ravitaillement rares, même je crois standard, j'ai pas envie de dire de conneries, vous avez aussi en plus donc des clés de cryptage qui vous sont offertes dans les colis. Et donc après je les ouvrirai pour continuer le pack opening jusqu'à ce que j'ai vraiment plus de clés de cryptage. Donc jusqu'à maintenant j'ai quand même eu plutôt de la merde, je suis un peu déçu franchement. Putain, c'est pourri là, vraiment on se tape que des trucs standards. Alors en sachant que c'est vrai qu'ils ont quand même un peu fait les enfoireux sur le coup, c'est qu'avec les points codes on peut ouvrir exclusivement pas mal celui-là, vampire et tout, il est stylé, prophète, j'aime bien. Donc on peut seulement ouvrir des ravitaillements rares et on peut pas ouvrir des ravitaillements standards. En sachant que voilà, c'est vrai que les ravitaillements standards on pourra en ouvrir plus. Donc voilà, par exemple moi je sais pas pourquoi, je sais pas vous dans les packs, mais je me tape quasiment que des variantes de genre de cross, de canon long, des trucs vraiment qui servent à rien, ou des trucs dégueulasses, là, sablier et tout. Ah, glace sur le dracon. Bon, après, le dracon est dégueulasse, mais bon. Le camouflage glace, j'aime bien. En plus, surtout qu'on peut dire, c'est là quand même la période. Le flash 80S, ouais, c'est pas mal, ça fait, on dirait un peu genre. Comment elle s'appelle la méchante dans Batman, là? Harley, merde, je sais plus. Non, ouais, bref, on s'en fout, allez passe. Je sais plus du tout le nom de la fille, mais bon, ça, c'est pas grave. Donc soleil, yeah, monochrome, ouais, sur un bazooka que j'utiliserai jamais. Donc on continue, on enchaîne. Là, je crois qu'on a déjà quasiment utilisé la moitié de nos points. On n'a rien eu, franchement, ça casse un peu les bonbons, quoi. On peut dire, la malchance est en nous, tu vois. Allez. Bon, tu la merde. Bon, la transgression, il est pas mal aussi, ça va, allez. On peut dire, par contre, je ferai pas une vidéo sur les camouflages, mais je peux vous dire que quasiment sur toutes les armes, j'ai des putains de beaux camouflages, donc ça, ça fait plaisir. Mais bon, vu le nombre de packs que j'ai ouvert, franchement, c'est pas tip-top non plus, quoi. Donc on enchaîne, hein, toujours, les potes. Ravitaillement rare, après on ouvrira un peu 2-3 standards et tout. Attendez, peut-être un légendaire, y'a quoi? Non, voilà, une variante toute dégueulasse, qui pue la merde. Un chargeur grande capacité qui diffère, quoi. C'est vraiment le truc pourri, quoi. Ça, je comprends pas pourquoi ils ont mis en place ce système-là. Où, genre, t'as des variantes d'accessoires et tout. Je trouve ça complètement pourri, personnellement. Enfin, je trouve ça pas terrible, quoi. Dévastation sur le locus, c'est pas mal, dévastation sur le locus. Donc, on continue, toujours. Allez, franchement, une arme, juste une arme, putain, c'est pas compliqué, une arme. Voilà, canon long, hein, une variante de canon long qui sert à rien. C'est ouf, hein, c'est ouf. Royal, il est beau. Voilà, une variante encore. Putain, les gars, j'ai que ça. Hein. J'ai que des machins aussi rares. Alors, faudra qu'on m'explique le délire aussi des célébrations. Je trouve ça pas terrible. Ah, monochrome, par contre, ça fait plaisir. Ah, il est pas mal le mise au tombeau. Ok, pas mal. J'aime bien, j'aime bien. Mais voilà, ce que je veux, c'est les armes, putain.
Voilà, encore une variante de cross qui sert à que dalle, de poignée là, avec un truc rouge. Genre comme si c'est... Enfin, genre quand t'es in-game, genre ah, le camouflage, autant tu vois sur une arme c'est stylé, tu vois la différence et tout, mais autant une variante de quelque chose, tu fais pas attention du tout sur ton arme quoi. C'est pas du tout, je trouve c'est un truc vachement kitsch. Après c'est vrai quoi, là le monochrome franchement j'aime bien, donc ça fait plaisir, mais c'est autre chose que je veux quoi. Dites-moi si vous avez eu dans vos packs bah des on va dire les trucs les armes spéciales si vous avez réussi à les débloquer que ce soit dans les ravitaillements standards ou dans les ravitaillements rares. Voilà, dites-moi un peu si vous avez réussi à avoir de la chance. Ah, yeah, Océanie, il est stylé. Il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Mais je crois que je l'avais déjà débloqué en fait. Je me souviens plus si j'ai débloqué, mais je crois. Donc écoutez, là on a plus de clés. Merde. Donc on va ouvrir carrément. J'hésite. On va déjà détruire les doublons. Mais j'hésite entre soit j'ouvre des standards, soit j'ouvre des rares. Franchement, j'hésite, je sais pas trop. Est-ce que je me tâte. Est-ce que j'ouvre des standards ou des rares? Standard, rare. J'ai presque 400. On va ouvrir un peu de rare et après on va ouvrir un peu de standard. On va ouvrir des rares au début puis après des standards. Mais franchement, je trouve que j'ai pas eu des trucs de ouf. Hein. Cannibal, c'est quoi? Ah, c'est le logo carrément. Ah, ok. On va ouvrir encore 3 ou 4 comme ça, puis après j'ouvrirai des standards parce que j'ai l'impression que voilà quoi. Malchance Man est en moi, tu vois. Malchance Man, mon pote. Tu connais ou pas Malchance Man? Si tu connais pas Malchance Man, bah c'est moi en fait, c'est ça. C'est tout con. Et donc la Razorback, j'ai encore eu. Je l'ai déjà eu tout à l'heure, le camouflage sur la Razorback. Enfin, le monochrome. Le escroc, je l'ai déjà aussi sur le pistolet. Enfin, c'est ouf, hein. Ça, par contre, je trouve qu'ils auraient dû faire un système, là, Advanced Warfare. Ou non, c'était pas sur Advanced Warfare. Si, je crois qu'il y avait ce système-là, je sais plus. Mais c'est carrément, tu peux pas avoir. Mais si, en fait, tu peux avoir de doublons. Si, en fait, donc je dis de la merde. Mais je pense qu'ils auraient dû mettre le système où tu peux pas du tout avoir de doublons. Et pas les doublons, bah, ils te les remboursent. Mais vraiment, qu'il y ait aucun doublon, quoi. Là, au moins, t'aurais eu de la chance. J'aurais eu de la chance de. Bah, j'aurais encore plus de chance d'avoir vraiment du lourd dans les packs, quoi. Parce que si t'appelais tout le temps la même chose, franchement, à force, c'est gavant, quoi. Là, par exemple, c'est vraiment un truc qui pue la merde. Je vais ouvrir 2-3 ravitaillements standard. On sait jamais avec un peu de chat. Ouais, non, ça pue la merde. Là, clairement, là, j'ai que des trucs standards, ça pue la grosse merde. Royal, c'est pas mal. Voilà, une poignée toute dégueulasse. J'ai l'impression d'avoir que ça, des poignées dégueulasses, quoi. Joli combat, des trucs comme ça, on s'en fout. J'ai l'impression que sur ce code, ils ont tellement voulu pousser la personnalisation à fond qu'ils ont mis des trucs qui servent à rien et que même la communauté ne servira jamais, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu les vidéos que vous aimeriez que je fasse pendant les vacances, en sachant que peut-être au début des vacances, jusqu'au 1er janvier, moi je serai un peu plus actif que ces deux dernières semaines, mais... Soleil, j'aime bien aussi. Mais voilà quoi, étant donné que c'est les fêtes, forcément je pourrais pas être autant actif que je le voudrais avec une vidéo par jour, mais pourquoi pas une petite vidéo tous les deux jours. Mais après, il faut savoir que j'ai 3 semaines de vacances, donc les gars, je vais pouvoir quand même vous proposer du lourd. Donc là, il reste plus que 3 packs à ouvrir. Franchement, s'il te plaît, juste un truc quoi. Franchement, c'est pourri quoi. C'est vraiment pourri quoi. Et je vous jure, je crois que carrément, si j'arrive à les avoir. Ah, glace sur le RK5, ça fait plaisir. Si j'arrive juste à avoir une arme, genre un jour, imaginez, j'ai 50 clés de cryptage, je rec, je ouvre le truc, épique réaction, je vous le mets direct sur ma chaîne, même si la vidéo elle dure 15 secondes. Hein. Alors la tête de lance, on s'en fout quoi. Tête de lance quoi. Ah, j'ai plus de points, attendez, peut-être que je peux avoir des doublons, voilà. Non, en fait, j'ai l'impression quand même que les doublons ça vous rapporte rien. 25 clés, je peux même pas ouvrir un pack à 30, j'ai eu 50 doublons. Donc, ah non, j'ai eu un peu plus quand même, en fait, j'ai pas vu combien... On va rouvrir, allez. Pff, pourri, quoi. On continue, il en reste 2 ou 3, là. Allez. Putain, poussière sur le couteau. C'est un truc de ouf, hein. J'aurais pas pu l'avoir. Hein. Putain, voilà. Voilà, monochrome sur la dingo que j'ai déjà... Est-ce que je peux encore rembourser? Détruire doublon. 35. Bon, le dernier, les gars, c'est vraiment le dernier des derniers. C'est la dernière des derniers, tu vois. La dernière chance, comme on dit chez nous. Voilà, putain. Conspiration, chargeur. Le truc qui sert à rien. Donc, écoutez, est-ce que j'ouvre le ravitaillement à 10? Allez, j'ouvre celui de 10.
on va pas s'emmerder. Phoenix, voilà. Bah non, voilà, les gars. Franchement, c'est fail. Bon, j'ai eu 2-3 combos pas trop dégueulasses. J'ai eu énormément de monochrome. C'est vrai que j'aime bien le monochrome. Mais bon, voilà, j'ai eu quand même globalement un peu de la merde. Donc, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Et dites-moi en commentaire si vous avez des trucs de ouf dans les ravitaillements. Parce que bon, bah voilà, moi j'ai pas non plus des trucs de dingue. Enfin, j'ai pas en tout cas eu ce que je voulais, les armes. Moi, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et je vous dis à la prochaine. Allez, peace, les frères. Quand je vois le grenier, je me dis Dieu, tu dis qu'une fois, tu vois. Moins 5% chez Borne avec le code Tony. Et moins 3% chez Je les pour des jeux pas chers. C'est même pas drôle. Je vis de la qualité de tes gameplays et il m'a dit, c'est vrai que les gameplays. Oh, lui, il a pas 300 000 abonnés, mais il sort des gameplays du million d'abonnés ou plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais arrête de passer devant moi, l'allié. Bon, moi, je dis là, ça passe sous les bureaux, hein, ça. Ouah, sec. Non, mais t'y as vu? T'y as vu, mon frère. T'y as vu ou pas? L'enculé. Mon grenier, c'était un mec assis.